Ok. Essayez une autre piste. Bon, j'ai réfléchi. J'ai essayé d'aller de l'autre côté du continent. Gedebolt peut témoigner, j'ai dit ma mission. Là, c'est de là que je viens de commencer le stream. À partir de là, j'étais bloqué. Enfin, presque. Donc, j'allais par là pour aller à Galbadia. Ah. Donc, ça se passe au sud. Là, silo de missiles très vilaine. Par là, Timber. Par là. Là, il n'y a rien. Là, il y a Galbadia, mais... Et là... Ah... Pas là, un peu plus derrière. Hein. Là, il n'y a rien, on est d'accord. Là... Ah... Cette zone... Un peu plus peut-être par là. Pas trop non plus. Je peux pas y aller, ça sert à rien. Ne. J'ai cru. Aux alertes. Là, c'est Timber. Non, ça c'est la ville de merde, ouais. Ok, ça c'est la ville de merde. L'orphelinat, il est à côté. J'ai oublié que j'avais relancé la game à zéro là-bas. Donc depuis le début, elle est à côté de... Non. Bah non. Y a rien. Là, je sais pas comment ça se fait que les trains arrivent à. Oui, il doit y avoir un tunnel. Là, c'est truc d'antenne, ça a rien à voir. Ça doit être à côté. Hein. Depuis le début, c'est sur l'île de départ, puisque c'est après que les gamins ils ont été en seed. Réfléchis logique. Bleh cassé. Ça c'est Galbadia. Ça c'est une île. Une île qu'on peut descendre. Hein. Rien à faire, mais il y a une île. On va aller sur l'île du départ. Il va falloir que je nomme les îles. Galbadia, île de départ. Continent désertique de je sais pas quoi, gros trou de sa mère, pôle nord et île de jungle. Non, je trouverai tout seul. Où ça pue ça? Où cet endroit elle est. Ouh là là, ouh, ça c'est intéressant. Regardez, attendez. Et au sud? Moi je savais pas le nord du sud. Et où là? Oh, c'est la forêt Chocobo! Je vois pas l'utilité, mais ouais, je reconnais la forêt Chocobo. Bon, au sud. Pour la 28e fois, j'ai des balls d'insiste en disant c'est au sud! Moi, je dis que c'est au nord. Passage là, non. C'est pas l'île du début, ça? Oh, si, quand même. Si, c'est là. Oui, oui, c'est l'île du début, ça, c'est cool. Donc, si c'était au sud de l'orphelinat, c'est pas du tout roleplay. Comment des gamins de 5-6 ans peuvent traverser la mer à la nage? Ah, évidemment, je suis du mauvais côté puisqu'il faut aller au sud. Et si.
Même pas passer en dessous. En dessous est trop rond. Évidemment, j'ai choisi le mauvais côté. Je vais faire tout le tour. Ouais, youpi. J'adore ce jeu. Une merde. C'est trop approché de la ville. Allez, on va perdre 10 minutes. Bravo! Vous faites perdre 10 minutes à votre stream. Gagnez 1000 gills. Ouais! J'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de jouer à ce jeu. J'aurais dû y jouer avant de faire ce live. Deuxième étage. Non. Je crois que je vais être le seul à pas apprécier ce jeu à sa juste valeur juste parce que je l'ai fait pendant mon stream. Je suis pas comme ça d'habitude avec les jeux que je connais pas. Je suis en mode déconne, tranquille. Mais là, j'en peux plus. Bon, déjà, il y a des voitures. Hey, les FF et moi. Mais. Ah, le sud, c'est vraiment le pont, quoi. Laisse-moi passer! Obligé de passer par le continent nord-ouest pour aller au sud. Logique. Parce que de l'autre côté, c'est pas la peine. Hein. Tout le continent du côté est, c'est même pas la peine. Je peux pas y aller. Ah, tout ça pour traverser le pont. Hein. Ah, donc là, je suis au sud. Non. Non. Je reconnais, c'est là. Merde. Il avait raison. Voilà. Il y a de la... Ouais. Vu la forme, ouais. Ouais. Je trouve une bite quelque part ici. C'est là. Ah, c'est là. Ouais. C'est quoi ça? Ça, ça pue. Ça, c'est un coup de jet des balls. Ça pue. Je le sens trop mal, là. En plus, je peux descendre, donc... Un nouveau lieu, super, un peu de roleplay. Alors, comment on va se suicider cette fois? Excusez-moi. Non. J'ai vu. Osez-vous refuser votre destin, misérable créature? T'es sérieux? Ça, c'est bon. Ah! Pas en rêve. On va pas au sud. C'était le mauvais sud, ça. Essayons un autre sud. Je me tape au dingue. Bien sûr, je le combats pas, mais sur le chemin, hein. J'ai 20 minutes pour aller le voir. Non, mais ça va pas. Bon, allons... Merde. Allons dans un sud un peu plus sûr. A plus tard. Les quêtes secondaires, ça va 5 minutes. Les petits cailloux bleus, là, c'est sympa. Arrête de regarder le paysage. Tu cherches un putain d'orphelinat. C'est au sud. On va au sud. Putain. Au sud, mais pas trop. Le sud-sud. Le point le plus sud du sud. Le seul continent que t'as pas encore visité, tu vois, là, voilà, ça c'est un beau sud. Il y a des arbres. Là, je veux... Oh non! Je l'ai vu, l'orphelinat! Casse-toi! Regarde. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'en dis? Les abattre. Nous sommes sans doute repérés. Sinon, on doit attaquer en premier. Le conflit est inévitable. La sorcière est avec eux. Ça va être l'ultime bataille. Oui, mais pour qui? On doit répartir les tâches et donner des ordres à chacun. Il faut faire simple pour éviter la confusion. À l'attaque! C'est tout. Que vais-je dire? Vite! J'ai trouvé une solution.
Parler des bretzels. Protéger les petits. Aucun ordre. Distribue les tâches lorsque tu seras prêt. Les Squall, la situation est grave. Alors écoutez-moi tous. Nous allons affronter l'armée galbadienne. Un des nôtres, Seifer, se bat dans le camp ennemi. Comptez sur moi pour éliminer ce traître. Les grenadiers, rejoignez le parking et attendez l'ennemi. Les gardes, rassemblez-vous au premier étage. Armez-vous et préparez-vous au combat. Twisty, Zell, Selfie, venez vite sur la plateforme de contrôle. L'équipe de cuisine, cachez la nourriture à l'ennemi de rien. Me dit-il dans la cafétéria. J'ai mis l'attaque. L'attaque, protégez les bretzels et les petits. Les secondes années, occupez-vous des juniors. J'ai pas mis de défense. Des banalités tout ça. Inutile de faire des lapalissades. Sois précis et efficace, quoi. Et pour les techniques défensives. Doua. Une bête ou quoi? Défense. Faut défendre en priorité l'entrée principale et le campus. Les étudiants de première année, rejoignez vite le campus. Les aspirants, allez protéger l'entrée. Hey, et moi, je suis pas invité? Toi, tu fais le guignol. Mais il pilote comment, lui? Tournez la bite à gauche, droite. Je comprends pas. Restez. Descends. Bon, apparemment, je suis mort, mais je ne le sais pas encore. Vous pourriez faire partie de ta bande. Ah, je suis désolé. Mais ils sont où mes ailes et Linoa là? Je me suis fait carotte là, je veux pas selfie. Extra, Béju contre prêtresse. Match décisif aujourd'hui. Que doit-on faire? Vous allez m'aider à diriger les autres. Lorsque Zell sera là, on fera deux groupes. Zell? Je crois qu'il fait la sieste. N'a pas dormi depuis des lustres. Quoi? Oui. Merde, et où mon main là? J'ai perdu mon tank. Plaisanté! Mon tank! C'est vrai, en fait, c'est un secret. C'est un secret qui roupille. Ma gueule quoi? Ah, hé! Hey. C'est quoi qui pense à la même chose? Ils sont bio ou quoi? Mais sur le campus, qui vient avec moi? Merde, mais non! Mais vas-y, le compte de teubé là! Oh, vas-y, je préfère encore Quisty et Selfie que Irvine. Alors celui-là c'est le pire. Irvine, tu resteras niveau 15 toute ta vie. J'ai fait carotte. Irvine, retrouve Zell. Vous dirigez les autres à l'entrée de la fac. Ok, chef. Inutile de faire la jonction avec la G-Force maintenant. On a le temps. Allons voir le campus. Mais oui, bien sûr, mais d'abord... Bon, échange les pouvoirs avec Zell. Ifrit et Léviathan. Et Selfie, tu as Shiva et Zephyr. C'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Allez, let's go. Et Linoa alors? Fais pas partie du groupe. Linoa. Occupez-vous d'elle. J'ai même pas décidé, rez-de-chaussée ou pas. Bambi! Moins Bambi, ça. Pourquoi ils sont au premier étage? C'est pas le campus? Pourquoi y a un gamin, là? Oh, je suis en retard. Permettez-moi de vous donner ceci. Du Saint-Doux. Ça va être en cours, non? On avait dit qu'on protégeait les gosses. Pourquoi j'ai eu du Saint-Doux? Ce gamin m'a donné un fromage.
Je comprends pas. Il m'a donné du sein doux. Ouvrez-moi. Eh, hey, je suis le chef. Il m'ouvre. Campus, bah oui, campus. Ouais, quand je dis campus. Encore en retard, mais t'as fait... T'as changé, dis donc. Tu me donnes du sein doux, toi aussi? J'ai un peu peur. Toi, tu me donnes du sein doux. Arriverai pas, j'ai trop peur, monsieur. La nervosité réduit de 20% nos performances au combat. J'ai peur. Attention où tu vas te brûler. Cramer. Poussez-vous. Oui, c'est mon vaisseau. Je sais pas où je dois aller. Je suis vite en retard. C'est le ravitailleur. Hein. Vous imaginez J'ai tiré les missiles. Et eux, quoi. Un petit campus. Il me fait décider de prendre le rez-de-chaussée, je le tue. Ma gueule. Il se fout vraiment de ma gueule. Il se fout de ma gueule, le jeu. Il m'a forcé à aller au premier étage alors que j'avais pas besoin d'y aller. Ah, apparemment, select. Attendez, j'ai trouvé la touche. Ah bah non, ça fait rien du tout. Pourquoi il y a un mec en fauteuil roulant? Les ennemis vont attaquer toutes nos entrées, notamment l'accès principal et le campus. Je suis fier d'être avec vous. Enfin, le campus, ça peut être que par là. Ah, vous êtes là! On va passer en première ligne. Infanterie première ligne. Avec Zell. Ouais. Bon, écoutez-moi. Cette fois, c'est du sérieux. Mais on va pas se laisser faire. Passe devant. Ouh. Cette zone est sécurisée. Je croyais que tu faisais la sieste. Oui, mais ton petit speech m'a donné un coup de fouet. Et vu mon grade, je suis obligé d'être ici, non? Quel grade? Et attends une seconde. Au sujet de ta bague. Pas le moment, mais... Quoi? Tu peux me la prêter, juste pendant quelques jours. Une super bague. Je la perdrai pas, je te jure. Pourquoi tu la veux? Secret. Allez, passe-moi, t'inquiète pas. Alors que lui, tu meurs. Tiens, moi, cette bague. Ça lui fait plaisir. Et plus de bague. Viens, la jolie bague. Bon, si tu la perds. Je veux pas la perdre, j'ai juste la casser devant tes yeux. Oh cool! Te fais pas de soucis, Inoa va être trop contente. Oh. Allez Squall, laisse-moi prendre la situation en main. Mais oh, ton poste! Mais où t'étais, bon Dieu? Moi aussi je vais me battre, je ne vais pas me cacher. Je peux vous aider, je m'y connais en combat, vous savez. Rien de pire que les combats sur ton propre territoire. Alors, l'ennemi va attaquer cet endroit, hein. Ça ne veut rien dire. Noah, reste couché, t'es pas dans le groupe. Pour mon ego, c'est important. Je vais être utile et efficace. Fais attention à toi. Bon. Les absents se comptent, s'il vous plaît. Je passe à travers mon groupe, c'est une illusion. Je n'ai pas d'armée. Je n'ai pas d'armée du tout. C'est pas possible, c'est quoi ce délire? Y a-t-il quelqu'un de réel dans ce groupe? Je suis en train de subir ce qu'on appelle une hallucination.
Je crois être assez fort parce que j'ai une bête d'armée, mais en fait, c'est mon imagination. C'est très dangereux ça, d'imaginer une armée pour combattre une prêtresse ultra violente et badass. On n'est pas dans la merde. Zelle, t'es en train de contrôler un groupe qui... Tu passes au travers, tu vois, t'as même pas besoin de les combattre, regarde. Ils peuvent pas te toucher. On peut pas. Vous avez gagné 1000 guilds parce que vous avez deviné que votre armée, c'est que d'illusions. Oh, trop fort. C'est pour ça que je suis le chef. Chef d'une armée qui n'existe pas, en fait. Mon armée, c'est une noix, c'est la seule, regardez. Elle, je passe au travers, lui, oui, elle, voilà. Bonjour, c'est quoi ton 06? Ah merde, elle est pas réelle. Y'a rien de pire que les combats, ouais. Y a pire, regarde, le combat dans nos propres territoires sans armée. Alors, ouais. On peut y aller. Oh, on a disparu. Même pas si c'est la touche select. Voilà, reviens immédiatement à la plateforme de contrôle. Bonne chance. L'heure de la baston a sonné. Arrête de manier cette bite, ça vient nous aider. Regarde. Oh, Safer. Safer mène les opérations. Il nous fonce dessus. Continue à avancer. Il y a des motos. Des motos fusées. Avec des drones. On n'arrive pas à s'arrêter. On va leur rentrer dans le l'air. On a droite. Le vaisseau ennemi est tout proche. Soldats d'ABJU, prenez garde. Pour protéger l'aile gauche, on doit les empêcher d'entrer. Préparez vos G-Force. Là, ils entrent, là. Pourquoi lui, il fait des petits tours comme ça? Yu-Gi-Oh 5D, allez, go! Oh, coup de pied sur la moto. Ils sont tous en train d'entrer, là. Mutile d'aller par là. Ouais, nous on doit protéger le camping. Il n'y a plus de moto. Ils sont tous rentrés. Et eux ils ont fait un défilé, hein. Ils sont tous en mode. Bah, je suis game over. Je suis game over là. Voilà, c'est un jeu de merde. Je le confirme clair et net, et c'est sérieux ce que je viens de dire pour la première fois. C'est vraiment un jeu de merde. J'ai fait en sorte de mettre tous mes G-Force pour l'équipe, pour finalement que ça soit l'équipe de secours qui s'attaque. On est bon là. Ah là, c'est la goutte d'eau, j'en peux plus. Ouais, select. Select. Ah, select, ça fait ça. C'est bien à tout select. Et si Ravine arrive à survivre, j'ai jugé. Quoi, c'est moi? On m'a dit de faire une équipe de 3. Moi, j'en profite. Mais j'ai pas de G-Force. Là, c'est l'équipe qui a pas de G-Force.
Ah oh bah là, il y a des morts, là. Bah oh putain, il y a de l'essouna en plus. Merde. On y sélecte. Bon, ça va, c'est le temps qui... Voilà. Mais sur cul. Quoi le cul? J'ai pas compris. C'est ça le turbo? Mitraillette. Vas-y, défoule-toi sur lui, je te dirai rien. Non, B. Bon, 94. Je ne peux même pas vous dire si j'ai fait plus de dégâts là que... Heureusement que j'ai dit tu vas être niveau 15 toute ta vie. Et bientôt. Oh mais je peux pas niquer mon cul. Je peux me permettre. Allez que dalle. Et de la magie. Inoua. Tu vas utiliser Esuna sur Zell. Tu vas loin. Zell. Il vient soigner Irvine aussi. Deux coups. Un autre coup comme ça. Et c'est tout. Allez, ils sont juste devant. Écrasé par la moto. Ah oui. Inoua, c'est dans la poche. Quoi, elle me l'a donné. J'en ferai une copie pour toi. D'ici là, tu peux la garder. Que lui as-tu dit? J'ai juste demandé cette bague. Je dis qu'il la rendrait. Elle est belle, mais un peu grande pour moi. Pas le moment de faire la coquette, ma belle Linoa. Pourquoi la bague? Je comprends pas. Je comprends rien là. Là, franchement, je suis complètement paumé. Bah ben voilà, t'avais la bague, maintenant tu te casses la gueule. C'est une bague porte-poisse! Ah, faut pas y aller là. Bon sang, impossible de l'atteindre! Essayons de trouver quelque chose! Accroche-toi, Alnoa, on va revenir! En plus, je perds un coéquipier. Bon sang. Y a rien d'utile ici. J'ai vraiment perdu un coéquipier. En plus, c'est elle qui fait la magie. Non mais stop. Une moto. Ah, les délinquants, ils sont plus là, tant mieux. Une femme à deux, sauver. Ouais, il faut aller par là. Ah, il n'y a plus de défilé. Ça va, vous avez pas vu des motos par hasard? Un point de sauvegarde. Salaud! Jeu de merde! J'en veux pas! Il a un œil dans la bouche, lui. C'est ça, l'avalanche? Je comprends que date. Eh non, Golgotha. Léviathan. Il va prendre un peu de temps. Léviathan a mis ça en PV quand même. Comment ça?
Bon, on fait un beau cul. Ouais, beau cul. Stop. Faut que j'arrive à voir la fin perfecte. Non. Non, je l'avais. 78. C'est pas mieux, hein. Pas mieux du tout. One shot, mais c'est pas mieux. Gagner un écaille de dragon. Sauvegarde, merde. Ouais, j'ai régressé au niveau 16, je suis trop bien. Quoi, ils arrivent à l'entrée principale. Pourquoi y'a Squall là? C'est qui combat qui là? Oula. Et pas celui-là. On est que deux, 2v2. Booster somni en disant d'accord, très bien. Allez, hop. Et bien attends. Aïe. Taurus. Ah, Taurus, il doit y avoir le pire papy ciseau, ça va être rigolo. Par contre, vous êtes lents là tous les deux. Missile. Oh non, ils ont déjà détruit une fois la Béju à coup de missile, ils remettent ça. Non mais vous êtes chiant. Vous êtes très lent aux incantations. Tsunami. Et c'est là que c'est pas cul. Ah oui, il n'y a pas de turbo. Il n'y a pas de turbo lui. Et on a pas. Il pue la merde. Non, il pue pas la merde. Pas Léviathan. Il est sur cul invisible. Que j'aime bien spammer mon cul finalement. Ah mais ça veut dire que Taurus ça va être pareil. Ouais, défoulez-vous sur ça, c'est parfait. Et oui, il n'y a pas de... Alors pas du tout de turbo. C'est magnifique. Ciseau. Mais non, ciseau. Non, c'était ciseau. Ils sont vraiment bas level hein. Ça va aller beaucoup mieux. Non 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 non. Non 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 non, attendez, ouais, Gogota c'est mieux. Missile. Non, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Ouais, voilà. Parfait. Ouh. Ah oui, c'est vrai que t'aimes bien Ifrit toi. À 111. 115. 4000. Mort. Level up de zèle. Ah, c'est pas bon ça. Ici, il peut prendre micro-missile. Encore. Permet de réparer vos armes. J'ai des choses à apprendre moi. Que je tiens autant d'enclume. Voilà, aide-nous, Noé est en danger. On doit faire vite. Quelle panique. Van, l'ennemi attaque la salle des classes. Il faut protéger les collégiens qui s'y trouvent vite. Leur vaisseau se déplace. Voilà, tu as entendu? Oui, mais Linoa n'est pas la seule à risquer sa peau. Quoi? T'as une pierre à la place du cœur ou quoi? Elle va mourir. On va se séparer en trois. C'est pire qu'un film d'horreur là. On va faire trois groupes de deux. Alors, qui prend qui? J'ai pas entendu. Selfie et Quissy. Quissy et Irvine. Irvine et Selfie.
Pendant ce temps-là, il y a GD Boss, il va mourir de... Il est tellement mort de rire qu'il va vraiment mourir de rire, là. Il n'en peut plus. C'est la guerre. Faut faire un choix, là. Comment expliquer Selfie, Kusty et Irvin. Non. On prend Kusty et Selfie. On prend les deux filles. Irvin, va avec Chou. Ok. Kusty et Selfie, venez. On va aider les gosses dans la salle de classe. Zel, occupe-toi de Linoa. Débrouille-toi, c'est tout. Pauvre de moi. Et donc là, on est d'accord que je peux rien faire là. La deux classes, c'est par là. Là, faut que je remplace les pouvoirs de Zel sur Selfie, voilà. De Irvin sur Squall et Linoa sur Kusty. M'en fous si je me suis trompé. L'ennemi lance une attaque aérienne, rejoignez la classe au premier étage. On y venait. Accélère. Non, on dit accélérer, ils sont plusieurs. À moins qu'elles font une blonde à eux deux. Au premier. Tout seul. Premier étage, salle de classe, plateforme. Ennemi. Par là. 3 heures de guerre plus tard. Que c'est que ces troupes d'élite? Boum, mort comme une merde. Ah non, c'est de la triche, c'est jetpack. Que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils ont enlevé leur armure pour descendre en rappel avec? Je comprends pas! Ils pouvaient entrer avec l'armure, non? Ah, coup de fouet. Les instructions, rangez la BGU. Délire ou quoi? Vous ne perdez rien pour attendre, vermine. Ah, facile. Cette fille, très bien. Enferme ta gueule, très bien. J'ai force, Golgotha. Attaquez. Voler. Volez, volez vite, volez. Infal et Sunda, ouais. Volez un peu des Sunda. Vol raté. Omni. Sur Selfie, très bien. Ça sert à rien alors. Attention. Le bouquet, le bouquet, le bouquet. Top. Stop. Un bon gros 120. 3000 dans ta gueule. J'ai raté un vol quand même. Un vol des Suna. Voilà, fallait votre armure, bande d'abrutis. Potion. J'ai force. Fais à balle. Et alors? Oh, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont là? La tremblote, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Là, ils ont vraiment un problème. Là, c'est pas des humains, ça, c'est des machines qui font ça. Bien joué. Emmène-les dans un endroit sûr. Ils peuvent pas. À vos ordres. Ok, on y va. Squall, Squall. Quoi encore? On m'emmerde sur le chat, on m'emmerde là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Squall, viens sur la plateforme de contrôle. Le docteur Kadowaki est là. Qu'elle veut? La plateforme?
Pas. En ce temps-là, j'ai des vols en train de communiquer en chinois, là. Je comprends pas. Créarme, c'est quoi? Arrête de me faire l'amour, là, le vaisseau. Je voulais juste aller à l'orphelinat. J'ai pas le droit, c'est ça? Ouh, une fille qui tombe par terre. Change ton arme. J'y arrive pas, il me faut des matériaux. Et quand j'ai voulu, il y a une dame qui m'a dit, on va faire une partie de cartes, je choisis les cartes que tu vas prendre, et je te pique ton ifrit. J'ai pas aimé. Les boutiques, ça suffit. En plus, il m'a fait un combo, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? On en est où? On est dans la merde. Hein. On a bloqué les deux premières vagues d'assaillants. Mais nous sommes à bout de force. Si l'ennemi renouvelle l'assaut, nous ne pourrons pas résister. Et ton équipe? Je ne sais pas, nos hommes à l'entrée résistent encore, mais... La situation m'inquiète. Les Galbadiens ont plus d'expérience. Nos soldats sont tous des étudiants. Comme dit Squall, encore une attaque et nous sommes perdus. Est-il un Deus Ex Machina? Peut-être aurais-je dû privilégier l'attaque au lieu de la défense. Bah, c'est ce que j'ai fait. Fer est à leur côté, n'est-ce pas? Tu sais qu'il n'abandonnera pas. C'est ton destin de l'affronter. Prends tous les efforts que tu veux. Et ton destin se joue aujourd'hui. Tu as parcouru tout ce chemin. Ce n'est pas pour abandonner maintenant. Bah, sûrement pas. Pas question d'attendre passivement. La meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devons trouver un moyen d'aborder leur vaisseau. Et si on leur rentrer dedans, ça abîmera notre vaisseau, mais ça leur ferait un sacré choc. Sûr que Nida peut s'en charger. Bonne idée, allons détruire notre vaisseau. Allons-y. Oui, Linoa. Je suis désolé, le campus est aux mains de l'ennemi, des Galbadiens. On dressait des barricades partout. Papanache. Le seul moyen de la récupérer, c'est en volant. Ou en passant par le toit, ça craint. Formons deux groupes de 3-2. Docteur, tu vas avec eux. Mais attends, tu comptes quand même pas l'abandonner. Mais pas question de la laisser comme ça. Personne ne lâche une si jolie fille tant qu'il n'y aura vraiment plus rien à faire. Fais de l'attaque. On s'en fiche, fais-le, sinon tu regretteras toute ta vie. Irvine a raison. C'est une des nôtres. Non, elle n'était pas l'orpheline avec nous, rappelez-vous. Mais attends quoi, là? Ma bénédiction? Vas-y, Squall. Je tiens à la revoir en vie. Il faut l'aider. Je m'occupe de l'attaque du vaisseau galbadien. Je connais bien cet engin. Va te préparer le terrain. T'inquiète pas pour nous. Putain, je suis tout seul. Fais un groupe de 1. J'ai oublié quelque chose de capital. Donc je suis une traîtresse. Parle à tes camarades, Squall, encourage les comme un chef. C'est tout mon admire à la BGU. T'es un vrai leader. Je voulais pas. Et tu sais que tu viens de lâcher le volant là. Oh, camarade, ici Squall. Comment allez-vous? J'espère que vous n'avez pas trop souffert. Un discours, ça, abruti. Écoutez-moi bien, nous avons encore une chance de gagner. Il va falloir se serrer les coudes. Nous allons prendre les devants et attaquer avant qu'ils ne lancent une nouvelle assaut. Un nouvel assaut, enfin. On va devoir leur rentrer dedans. Ça va être extrêmement violent. Préparez-vous et dites à tous les élèves de se mettre à l'abri. Technique infaillible là-dessus. Irvine, Quisty, Zell, Selfie, érigeons les opérations militaires. Obéissez à leur ordre et donnez-vous à fond.
T'as plus d'acteurs là. La bataille que nous livrons a de nombreux enjeux. La vie de chacun, bien sûr, mais aussi l'avenir de la BGU et de notre démocratie. C'est pourquoi je demande à chacun de faire un effort supplémentaire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Je compte sur vous. Je m'en demande de faire le maximum pour vous et pour les autres. Excellent travail. Nous allons les écraser. C'est le docteur qui est... Touche pas le vaisseau, c'est le vaisseau qui touche. Enfin, on y est. Vous êtes prêts? Et comment? Pour cette vie, moi-même, pour le monde entier, j'ai pas eu le temps de tout lire. Au devant! Quant à ce qu'il faut. Faut farm. Je farmerai pas. Le rush. Je pense que je suis passé de... Je vous en supplie, aidez-moi. Marc a disparu. Je vais le retrouver. Oh. Aidez-moi. Non. Ne bougez pas. Ne bougez pas. J'ai perdu Marc. On s'en fout. Où est Marc? 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 Il n'y a pas de Marc. Je ne peux pas sortir. Je vous jure, je ne peux pas sortir. Bravo, vous avez gagné 1000 gives. Je sais pas pourquoi. Avant de mourir, en pleine guerre. Ah, je peux sortir. De merde. Trouve pas Marc. Tu sais quoi? Va te faire enculer. Mais aidez-moi. Mais je peux pas, je peux même pas prendre l'ascenseur. Putain, allez vous aider des Marc. Et où ce Marc? Marc! Ah, il est là, je l'ai vu, par la fenêtre. Marc! Descends tout de suite! Ah, il y a un deuxième Marc. Non, c'est pas toi, Marc, quand même. Ça va, petit? Oui. Une jeune femme t'attend en bas. Cours la rejoindre, d'accord? Oui. C'est quoi ça encore? Mais... Moi la paix! Je peux pas passer! Mais je vais mourir! Je peux pas... Dis si tu veux. Mais je sais pas ce que c'est! Je vais mourir. Et si j'appuie là? Ah! Recommencer avec 200. Ah, en plus, c'est une mission! Eh, mais. Préviens le jeu quand tu veux faire des trucs comme ça! Je joue à FF, je joue pas à. À Beat'em'all! Je dis Beat'em'all alors que c'est pas du tout ça.
Eh mais sérieux? Donc je recommence. Les coups de pied sont un peu performants, mais ils permettent de bloquer les attaques ennemies. Elles sont pas beaucoup. Eh hey, gamin! Oui? Et casse-toi. Il m'enlève déjà des PV, l'enfoiré. Bon, j'ai compris que c'est sorti de secours. Mais ouais, lui, il a compris, il est venu en armure. Versus des bits. Faut te calmer là. Hey! Mais je vois rien! Mais oui, mais je peux que mourir, je vois rien, caméra de merde! Je commence avec un handicap. Salut Antlap. J'avais pas vu. Regardez-moi, j'ai pas de PV là contre lui. Faire autre chose. Pisse à l'arrêt. Non mais j'en ai marre là, j'ai déjà que Miguel parce que je suis cure en deux et là le truc il me donne des missions, c'est pas prévu. En plus j'ai trois touches, trop dur. C'est vraiment la journée, faut pas trop me faire chier là-dessus. Et il frappe. Quoi? On est d'accord là, c'est n'importe quoi. Non, tu feras pas de coup de poing. Je vois rien, ça m'énerve. Non ! Elle tombe ! Il y en a un deuxième, je pète un plomb. Monter, faut faire quoi ? J'ai pas cheaté. Ah, le hasard. Il va te faire embrocher maintenant. L'entrée ici. À gauche, vite. À gauche, mais pas trop. Allez voir un truc. Je vois rien du tout. Sauvegarde. Voilà. Merci. Non, de rien. C'est juste professionnel. Notre contrat est toujours valide, non? En plus, c'est un hasard. C'est dégueulasse de dire ça. C'était calculé. Tu sais, tu avais gros à perdre si j'étais tombé. Quelque chose d'important qui t'appartient, tu sais. Je n'ai pas le droit de mourir tant que je ne l'aurais pas rendu. Zel me l'a donné, c'était sympa, non? Zel, je vais te tuer! Ouais! Santé! C'est moi qui ai écrit l'histoire. C'est ma bague préférée! Elle est jolie! Mais c'est quoi ce monstre dessus? C'est pas un monstre, c'est un lion.
Le lion est le symbole de la force et de l'honneur. Je vois, un peu comme toi. J'aimerais bien... Et ce lion, il a un nom? Bien sûr. Chronos. Tu sais, Zell a dit qu'il allait me faire une copie de cette bague. Ça me donnera peut-être les qualités d'un lion. Le problème, c'est que tout le monde va croire que l'on est ensemble. C'est un problème, pourquoi as-tu l'air aussi contente? Tout le monde rêve de nous voir ensemble. C'est si évident que même moi je m'en aperçois. Je sais pas si c'est tellement un problème. Hein? Que veux-tu dire? Bon, les autres attendent. Tu restes ici, d'accord? C'est méchant! Allez! Et c'est là-dessus qu'on va faire la deuxième pause. À tout de suite, les gens.